Bonsoir à tous, il est 19h, on va commencer. Donc j'ai plusieurs pouvoirs ce soir, donc un pouvoir de Catherine Poupée pour Martine Pillaud, Loïc Baudet pour Éric Orvault, Dominique Moire pour Maïté Guinaud, Martine Corneau pour Sandrine Baudry, Catherine Leca pour Francis Beaufour et Bernard Borgé pour moi-même. Enfin Philippe Barret quoi. Bah, tout le monde connaît mon nom. Désignation d'un secrétaire de séance, c'est au tour de Mathieu. Est-ce que tu es d'accord? Je te remercie. On va commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance du 6 septembre 2022. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Oui, alors des remarques, ça dépend de quel point de vue. À la lecture du compte-rendu, j'ai même failli envoyer donc un message sur le terme de le. Enfin, c'est à propos de l'échange du terrain contre une partie du canal. Et donc, il a été noté dans le compte-rendu, à propos de ce que tu disais à ce moment-là, de redevenir propriétaire. Je me suis posé la question, la commune a-t-elle été à un moment donné propriétaire de tout ou partie de ce canal? Donc ça veut dire Mais que... alors, à la relecture du truc, c'est ce qui a été dit. Donc, voilà. Donc faut mettre devenir. Je proposais de venir parce que sur un plan historique, ça n'existe pas. Je suis d'accord, il faut être à cheval sur l'histoire. Non, mais ceux qui liront ce passage-là, à un moment donné, pourraient être Oui, tu as raison. induits en erreur. Tu as raison. Voilà. Je suis dessus, là, je vois, il est envisageable de procéder à un échange de parcelles afin que la commune devienne propriétaire. Ah mais moi, j'ai lu redevenir. Bon, en A tout cas, été changé donc entre-temps. pour Ah, mettre... effectivement, j'avais envoyé, mais quand on nous envoie l'ordre du jour, le compte-rendu, le pouvoir, j'ai répondu à ce truc. Puis j'ai eu une espèce de réponse en anglais, j'ai rien compris. Alors, donc du coup, je dis, ça se trouve, le message, il est tombé dans le néant. Donc, du coup, ce que je te Alors. propose, c'est qu'on regarde bien s'il y a redevenir. S'il y a redevenir, on met devenir. Et si la formulation est telle que le dit Bernard, ça ira. Tout est rentré dans l'ordre. On fait comme ça? Oui, mais moi c'est parfait, puisque ça correspond Ouais. aussi au cours de Non, mais je l'histoire. comprends. À propos de la modification du tableau des effectifs, Dis-moi, ouais. est-ce que le comité technique a été saisi de cette modification pour donner un avis ou pas? Va pour donner un avis. Jean-Michel. Il n'y a pas de suppression de poste, donc il n'y a pas de sollicitation du comité technique. Même s'il y a modification Ouais. Oui, parce que les modifications du tableau des effectifs, enfin, vous avez vu, on en passe quand même assez régulièrement, donc on ne sollicite pas à chaque fois le comité technique. Et on est tenu de le solliciter à partir du moment où il y a une suppression Oui, de poste. d'accord, Ouais. c'est vrai. Voilà. Donc, ben c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce que, en prenant en compte les remarques qui ont été faites, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, on va commencer par la présentation de deux personnes donc, qui sont à ma droite. Donc, ça avait été une demande qui avait été faite par le passé. Donc, d'abord, on va commencer avec Jordan Guinée, donc, qui est le chargé de communication. Donc, ça fait un peu moins d'un an hein, qu'il est présent parmi nous. Et Louis Bénard, donc, chargé du service jeunesse, culture et sport, qui est arrivé début septembre. Donc, je vous laisse vous présenter. Alors bonsoir tout le monde. Donc comme dit Philippe, Jordan Guinée, j'ai 26 ans et ça fait un peu moins d'un an que je suis à la commune, donc chargé de la communication et depuis peu également de l'événementiel. Donc au niveau de la communication, je m'occupe de la mise en page et la conception graphique des bulletins. J'élabore également tous les supports de communication, donc affiches, flyers, communiqués de presse, cartons d'invitation, qui permet ensuite d'alimenter nos réseaux, donc notre page Facebook, Instagram, site internet, panneaux lumineux et notre chaîne YouTube. Au niveau de l'événementiel, donc depuis peu, avec le départ de Patrice,
Je suis en collaboration avec Michaela. Donc on prépare tous les événements de la commune. Donc tout ce qui est vin d'honneur, les listes d'invités, les déroulements de la journée avec les protocoles. Et enfin, je suis également un soutien au niveau des mandatements de factures avec Mélissa, au service finance, et lors des absences de Michaela à l'urbanisme, afin d'avoir une continuité du service. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est possible, hein ? Tu as été très clair, Jordan. Parce qu'on suggère des questions, mais je n'ai pas des questions. Moi, j'ai rencontré Jordan dans un couloir. Hein, et donc, je lui ai demandé qui il était, en fait. Il s'est donc présenté. Hein, et c'est vrai que avec toi, Catherine, j'avais dit, tiens, ben, ça serait bien qu'il nous soit présenté. Donc, c'est chose faite ce soir. Mais voilà, donc on a déjà échangé un peu. Et puis maintenant, je mets un visage aussi quand j'envoie un mail. Et voilà. Christelle Mazoué, elle se présentera, mais elle est arrivée depuis une grosse semaine. Donc on va lui laisser le temps de prendre ses marques. Ça viendra avec le temps. Mais non, je sais. Vas-y, Louis. Juste, moi aussi, enfin, c'est bien que vous vous présentiez parce que effectivement, on reçoit des mails, on ne met pas de visage sur les signatures, nous. On ne passe pas forcément à la mairie. Moi, je ne connaissais pas Jordan, donc enchanté, bienvenue à la mairie. Vas-y, Louis, mets ton micro. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, moi, Louis Bénard, j'ai 24 ans. Je suis arrivé le 1er septembre et je suis chargé du service jeunesse, sport et culture. Donc je vais démarrer par présenter sur quoi je travaille en ce moment. C'est ce qui va nous emmener vers les autres missions qui m'ont été données. Donc en ce moment, je travaille sur le PEDT, c'est le projet éducatif territorial. On est en pleine réécriture parce que ça dure 3 ans, l'ancien était de 2019 à 2022. Et là, on écrit celui qui portera sur 2022 à 2025. C'est un projet qui doit réunir tous les acteurs qui vont entrer dans le parcours éducatif de l'enfance à la jeunesse vers le jeune adulte normalement. Et du coup, ça démarre par un travail de diagnostic où on réunit les différents acteurs, donc qu'ils soient scolaires avec les écoles, les collèges, avec le périscolaire, donc l'accueil périscolaire du soir et du matin, l'accueil de loisirs et la pause méridienne, et qu'ils soient aussi extrascolaires, donc avec les différentes associations qui peuvent proposer des activités en direction de la jeunesse, etc. À partir de ce travail de diagnostic, on va déterminer des valeurs et des objectifs qui doivent nous conduire à proposer un parcours après à l'enfant. Et ça m'emmène sur les travaux qui vont être à mener, donc c'est-à-dire mettre en relation les différents acteurs pour notamment, sur Saint-Hermine, il a été pointé un travail au niveau de la communication entre acteurs, mais ça va aussi être mettre en place certains dispositifs comme le conseil municipal enfance qui doit relier la municipalité avec l'école, ou alors mettre en place des cahiers de liaison entre le périscolaire et l'école. Et aussi vers un travail pour étoffer ce PEDT qui n'est pas fixe sur 3 ans, et du coup, il va évoluer durant les 3 prochaines années, avec notamment la création d'un passe sport ou d'une école de sport avec Stan, avec la création d'un foyer des jeunes, donc ça qui va nous emmener à travailler notamment avec la CAF pour voir ce qu'on peut faire au niveau de la prestation sociale jeune. Et d'autres travaux autour notamment du passeport du civisme, qui sont des événements plus ponctuels, mais qu'on va aussi mettre en place en direction de l'enfance et de la jeunesse, et qui doit relier du coup les différents acteurs qui viennent intervenir sur le parcours de l'enfant et du jeune. Si je devais résumer ce poste, ça serait vraiment ça. Ça serait, en vérité, le PEDT, c'est un outil, mais qui doit nous permettre de créer réellement du lien entre tous les temps de l'enfance, qu'il soit extrascolaire, donc quand il se rend dans une association sportive, dans une association culturelle, quand il se rend au périscolaire le soir et le matin, ou quand il se rend à l'école, et faire en sorte qu'il soit le plus cohérent possible pour que l'enfant vive des expériences cohérentes. Moi, j'ai une question. Par rapport au PEDT, on avait travaillé avec les écoles et parents d'élèves. Donc, c'est ce dont tu parles. Je ne savais pas que c'était quelqu'un d'autre que la formatrice qui était venue qui l'écrivait, en fait. Donc, c'est toi qui vas l'écrire. En fait, le rédiger, je veux dire. Là, je vais répondre. Ce qui s'est passé, c'est que, en effet, il y a bien eu un PEDT qui a été rédigé. Ceci étant, ça a amené certaines remarques de la part de l'éducation nationale et l'inspection d'académie. D'accord. Donc ça a permis d'avoir un échange justement
avec justement le prestataire qui nous avait qui avait travaillé dessus. Dans le même temps, c'est un outil. C'est vraiment un outil à l'échelle de la commune. Donc il faut qu'il soit vraiment en cohérence à la fois avec ce qu'attendent les équipes enseignantes aussi et la municipalité. Et il y avait certains trous dans la raquette, en fait. Il y avait certaines choses qui n'avaient pas été reprises. Donc c'est pour ça, en fait, que Louis, il repart, en fait, sur le travail qui a été fait. Mais tout en... Il y a eu, d'ailleurs, une réunion. Vous avez une réunion... Comment ? Et vous en avez une demain, oui, avec justement l'éducation nationale et justement le prestataire qui nous a rédigé le PEDT pour arriver à un texte commun. Mais là, c'est qu'il y avait des choses à reprendre, parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été prises en compte, tout simplement. Donc par rapport au projet que tout ça va... On va être amené à créer... Enfin, tu vas être amené à créer des projets sur la ville. C'est toi qui coordonnes les projets, tu les animes ? Ou les deux ? Tu peux y aller. Ben, un peu des deux. Par exemple, ça va être les coordonnées quand ça va toucher aux scolaires et aux périscolaires, parce que du coup, ça sera réellement entre les directrices d'école et Ludivine Blu qui a l'enfance. Mais par exemple, sur le foyer des jeunes, pour le moment, ça serait moi aussi qui animerais, une fois que ça va être mis en place, les différentes actions qui vont être menées. Donc c'est un peu des deux. C'est à la fois coordonner et animer des projets. Donc sur le périscolaire, tu vas être aussi un interlocuteur vers qui les parents d'élèves pourraient avoir affaire ou... Non, 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 je pense pas, parce que Ludivine est quand même là depuis un petit moment et présente, on communique et on échange parce que je suis coordinateur PEDT, mais je vais pas... C'est elle qui gère tout. Oui, je vais pas à sa place prendre des décisions, okay. C'est elle qui connaît le terrain et du coup, c'est plutôt un retour. Pour information, Louis a un master MEF STAPS, donc métier de l'enseignement, de la formation. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que... l'idée, c'est vraiment de structurer un service jeunesse sur la commune, parce qu'en fait, il n'y en a pas, on part de zéro. Et on peut avoir proposer tout ce qu'on veut, si derrière, il n'y a pas de l'animation, ça reste des vitrines vides, et ça peut être une belle vitrine, mais ça reste une vitrine. Et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Et même pour le conseil municipal des enfants, on en a parlé avec Virginie, là, clairement, il y a des points d'amélioration pour qu'ils soient plus en activité et vraiment en lien avec le conseil municipal. Donc c'est quelque chose qui se structure, quelque chose qui va se construire. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être loupées ou en tout cas moins bien ? C'est normal, quand on commence, tout ne va pas être parfait dès le départ. Mais là, en tout cas, au bout d'un mois, quand je vois déjà le travail qui est opéré, en particulier sur le PEDT, parce que c'est vraiment la clé de voûte. Et là, clairement, on se retrouve avec quelque chose qui est bien structuré, qui a été repris par Louis, mais qui est très bien structuré. Et t'as rencontré les équipes enseignantes, parce que là, c'est pareil, ça correspond aussi à un temps des enfants. Ça veut dire que le PEDT sur lequel on a travaillé... C'est un peu du temps perdu. Non. Non. Non, parce ça a amorcé un travail. Mais en fait, le travail... Moi, clairement, si tu veux, le fond de ma pensée, ouais. En fait, le texte en tant que tel, il y a des choses qui sont bien. C'est-à-dire que ça reprend certaines choses, mais sauf que c'est mal structuré. Et il y a des choses qui ont fait l'objet de débats lors des réunions et on ne les retrouve pas. Donc, moi, je suis désolé. Enfin, à un moment donné... comme tu dis, soit on réunit les gens et puis derrière ça se transparaît de manière structurée avec un vrai plan d'action à l'échelle de la commune, ou autrement on reste juste au niveau du diagnostic et des enjeux. Et c'est pas ce que j'ai demandé. Moi j'ai demandé diagnostic, enjeux, donc ça c'est les réunions, mais derrière il y a des fiches, il y a le PEDT, c'est les fiches actions. Et là clairement, c'était pas clair quoi. Et c'était un peu comme un bateau sans boussole, donc moi j'aime pas ça. Donc j'ai rien dit au départ. Je voulais attendre voir la réaction de l'éducation nationale et ils ont eu la même réaction que moi. Parce que parfois le problème c'est que je suis aussi enseignant, donc tu peux avoir aussi une déformation. Être parfois un peu trop critique. Et donc là, j'ai préféré attendre, voir leur réaction. Et au final, on était sur le même constat. Et même lorsqu'il y a eu la discussion avec les équipes enseignantes, elles s'y sont trouvées aussi. Donc c'est pas du temps perdu, bien au contraire, on a amorcé quelque chose. Mais là, on est exactement dans ce que je disais tout à l'heure, dans la structuration du service jeunesse.
C'est-à-dire qu'on amorce quelque chose, parfois ça ne se passe pas exactement comme on avait prévu. C'est pas pour autant que c'est du temps perdu. Après, on reprend et puis. Mais il ne faut pas s'obstiner dans quelque chose qui n'est pas bon. Quoi. Enfin, pour moi, c'était pas satisfaisant dans l'état. Enfin, après, moi je ne suis pas dans l'enseignement national, mais en tant que parent ou éducateur, on sentait effectivement que le projet était léger, enfin, ou la réunion. Enfin, voilà. Donc effectivement, je comprends. Oui. Et puis par exemple, l'une des problématiques que vous avez évoquées dès la première réunion sur la pause méridienne, quand tu fais un sondage et que tu mélanges la cantine de l'école privée et la cantine, je prends un exemple factuel, concret, là, comme ça tout le monde comprend, même ceux qui nous regardent, et l'école publique, je suis désolé, ça ne marche pas ça. Parce que c'est deux mondes complètement différents et moi je ne m'occupe pas de la cantine de l'école privée. Ma préoccupation, c'est l'école publique. Donc ça, par exemple, c'est un truc qui est incohérent. Voilà, parce que là, tu te retrouves avec des choses qui tu peux pas les laisser en état. Ça marche pas, ça. Voilà. Louis, tu as des choses à rajouter ? Non, mais si je peux vous rassurer sur le travail qui a été mené au mois de juin et juillet. Non, il n'a pas été abandonné. Au contraire, on est reparti du diagnostic. Je l'ai un peu étoffé en allant chercher notamment des caractéristiques sociologiques auprès de la CAF pour un peu mieux connaître notre public. Et après, non, on est reparti de ce travail-là, mais je suis retourné voir les écoles parce que, typiquement, elle me disait que le travail autour des valeurs, elle ne s'y reconnaissait pas réellement. Et du coup, on a refait ce travail-là, et du coup, on a gardé ces valeurs, mais on les a déclinées en objectifs opérationnels, qui nous guident un peu plus sur le terrain. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez vu le document ou quoi, mais on a décliné plus acteur par acteur, plutôt que faire un grand tableau qui résume plein d'actions et on ne sait pas où elles vont s'appliquer. Évidemment que les actions de l'accueil de loisirs ne seront pas les mêmes que la pause méridienne. Et c'est uniquement ça qu'on a fait, on l'a décliné en plusieurs parties. Et on a été chercher aussi un peu les associations. Par exemple, le foot, ils ont un projet éducatif fédéral, ils ne rentraient pas dedans. Alors que pour autant, dans la circulaire qui est sortie en 2013, ils en parlent en premier de ça, de mettre du lien avec les associations. Donc c'est ce qu'on a réalisé là sur ce mois de septembre. Et la décharge des francas. Qui ont travaillé pour nous, on était pris par le temps aussi. C'est-à-dire qu'il y avait un temps qui était assez restreint pour rédiger ce nouveau PEDT. Donc en termes de contenu, et justement les réunions, c'était très bien. Mais par contre, et c'est là où l'action de Louis a été importante, c'est de la structurer pour qu'on rentre vraiment dans des fiches actions, quoi. Et qu'on ait quelque chose de très concret à l'échelle du territoire. Pas qu'on reste simplement dans le cadre du constat. Parce que parfois, c'est un peu le danger, quoi. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec... si tu veux, tu as rempli la case, tu as fait le PEDT, mais... Voilà. Je n'ai pas dit. Vraiment important... Enfin, je pense que les gens, ils ont pas, ils connaissent pas ce que c'est qu'un PEDT. Enfin, tous les parents d'élèves... Si on n'est pas un peu dans le milieu de l'éducation, on ne sait pas ce que c'est en fait. Donc ce qui est intéressant, et je pense que après peut-être Jordan pourra aussi alimenter les réseaux pour expliquer ce que c'est, mais c'est intéressant de pouvoir avoir une cohésion avec tous les services qui regroupent la jeunesse et que les habitants de Saint-Hermine puissent avoir conscience de ça. Quoi. Vraiment, non, c'est un vrai travail, c'est hyper intéressant, moi je suis en formation pour ça. En ce moment, donc ça m'intéresse d'autant plus. Mais je vois bien l'intérêt du truc, mais tout le monde ne le voit pas. Et vraiment, je le répète, à la décharge des francas, ils étaient vraiment pris par le temps. Donc le travail de réunion, tout ça, ça a permis quand même de faire remonter les différentes problématiques. Après, on est reparti sur ce qu'ils avaient fait. Donc voilà, c'est juste un travail commun. C'est tout. Parce que ça va également nous aider, nous, les différents acteurs sociaux qu'on a sur la commune, de pouvoir travailler vraiment en symbiose avec la commune. Et je pense notamment au sport. Louis l'a dit tout à l'heure, on va travailler sur l'école de sport, finalement, qui n'existe plus depuis 2 ou 3 ans. Et le PEDT, je vais y arriver, va nous permettre justement de travailler avec les différentes associations sportives, pour pouvoir trouver une solution demain, quoi. Donc ça, c'est une information importante quand même. Il y a beaucoup de questions sur l'école de sport et on espère bien qu'à travers ce PEDT, on va pouvoir trouver une solution pour retrouver ce service-là. Et puis on parlait tout à l'heure du passeport, enfin du pass sport. Et il y a aussi, on avait parlé d'un pass culture. Donc avec l'ouverture de la bibliothèque, donc il y a plein de choses sur lesquelles on doit travailler. À la rigueur que les gens
sache pas trop ce que c'est le PEDT, c'est pas grave. Ce qu'il faut par contre, c'est qu'on ait vraiment une action territoriale à destination des jeunes et et concernant les différentes tranches d'âge. Tu traites pas de la même façon des primaires que comme des collégiens ou des lycéens. Donc c'est ça en fait qu'on doit réussir à faire. On doit réussir à mettre en mouvement tous les acteurs du territoire. Le DT, il sert aussi de ligne. Oui, c'est ça. De ligne pour toutes les associations, la mairie, les habitants. Si, enfin, voilà, on peut impliquer tout le monde. Et là, d'avoir participé, d'avoir fait participer les parents d'élèves, tous les acteurs qui sont des éducateurs pour les enfants, pour l'écriture enfin, du PEDT, c'était hyper important. C'est une belle démarche participative. Et du coup, c'est bien de pouvoir le valoriser aussi. Tout à fait. Voilà. D'autres choses à rajouter ? On vous souhaite une bonne soirée alors. Et on va passer aux affaires financières, le point 3, demande de subvention exceptionnelle avec l'association Boxe Herminoise. Je laisse la parole à Stan Pascro. Alors, l'association de Boxe Herminoise a signifié à la commune le bilan financier déficitaire de l'association en raison principalement de leur réussite aux différentes compétitions auxquelles elle participe. Quand même une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est des dépenses qu'on ne peut pas forcément prévoir. Ça dépend bien évidemment des résultats des sportifs. En effet, la participation finale nationale est très positive pour la vie du club. Mais cela génère d'importants coûts de déplacement. Compte tenu des précédentes aides de la commune au profit des associations dont le résultat en compétition nécessite des déplacements importants, il est proposé de prendre en charge 80% de ces frais qui s'élèvent à 1 000 euros, soit une subvention exceptionnelle à hauteur de 800 euros. Donc j'en profite pour féliciter quand même l'association de boxe, parce que c'est quand même pas rien. C'est des finales nationales qui ont été faites à Paris. On peut se féliciter quand même d'avoir des associations sportives avec des très très bons résultats. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une association avec des compétences et puis effectivement on ne peut pas prévoir ce genre de dépenses parce que ça va dépendre des résultats des adhérents de l'association. Voilà, moi je suis fier de cette association-là et j'espère qu'on va pouvoir les aider. Donc monsieur le maire sollicite l'avis du membre du conseil sur cette affaire. Y a-t-il des questions, des remarques ? Non. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Ensuite, on a une demande de subvention au voyage scolaire éducatif à l'école Gérard Jamin. Céline. Alors, nous présentons ce soir au conseil municipal une demande de subvention de l'école Gérard Jamin pour l'organisation d'un voyage scolaire du 15 mai au 17 mai 2023. À Talmont-Saint-Hilaire pour 44 élèves au total, de moyenne et de grande section. Nous rappelons lors de la délibération du 21 mars 2018 que les modalités de prise en charge par la commune des demandes de subvention dans un cadre scolaire. Il était précisé que pour les classes découvertes organisées sur plusieurs jours, conformément aux diverses attributions ces dernières années, une subvention de la commune est versée et correspond à 30 euros par enfant et par jour. Il est donc proposé une subvention de 3 960 euros pour ce voyage. Il est précisé que la facture totale du voyage s'élève à 5 477,20 euros. Donc nous sollicitons l'avis du conseil. Donc, vous connaissez notre position et ma position sur le sujet. Tout ce qui peut permettre aux jeunes là, de s'ouvrir sur l'extérieur, c'est important. Parce que certains n'ont pas forcément l'occasion non plus de partir tout simplement de Saint-Hermine. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des remarques particulières ? C'est une initiative qu'il faut soutenir et puis comme tu le dis, ça permet à des jeunes de s'ouvrir à quelques expériences, à quelques découvertes notamment. Et puis ça rentre dans le cadre de ce qui a été décidé par le conseil déjà. Et donc ça se pratique déjà depuis quelques années, cette formule. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Ensuite, on passe au dispositif EcoPass. Il s'agit d'un dossier. Je vais laisser la parole à Marie-Thérèse Guinaud. Alors,
vu la délibération 2017-02-08 du 1er février 2017 portant mise en place d'une aide financière attribuée dans le cadre d'un dispositif EcoPass pour l'accession à la propriété d'un logement ancien. Compte tenu de la notification de l'ADIL attestant, qui est l'Agence départementale d'information sur le logement et l'énergie, attestant que M. Guillaume Vincent remplit les critères d'éligibilité au dispositif EcoPass Accession, il est proposé de lui octroyer une prime de 1 500 € sous réserve de la réalisation effective de l'opération. Il y a des questions. Donc ça, on en passe quelques-uns de temps en temps. Hein. Donc là, c'est pareil, ça permet aussi aux primo-accédants, déjà d'avoir ça de moins à dépenser. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, on va passer à la tarification pour l'assainissement. Donc, comme vous le savez, hein, chaque année, le conseil municipal est sollicité hein, pour avoir les montants. Donc, je rappelle, hein, on fixe une part, la redevance assainissement pour la part fixe, donc l'abonnement, et après, vous avez la part variable, la consommation, donc c'est les mètres cubes. Il est précisé aussi que la nouvelle tarification a étudié en 2020 à l'occasion du renouvellement du contrat de délégation de services publics d'assainissement collectif. Donc on l'a changé en fait. Hein. Il y a eu un changement en 2019, elle a été modifiée en 2020. Là, l'idée, c'est de rester sur la même tarification, c'est-à-dire 50 € concernant l'abonnement et 99 centimes au mètre cube. Hein. Et il est également proposé de ne pas modifier la participation pour l'assainissement collectif qui était 1 210 €. En gros, ce qu'on vous demande, c'est de rester avec la même tarification que l'année dernière. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors ensuite, vous avez la présentation du rapport d'activité 2021 de la communauté de communes Sud-Vendée Littorale. Donc je rappelle l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales qui demande à ce que le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Conformément à ce même article, ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Normalement, vous l'avez tous reçu. Donc c'est surtout ça dont je veux m'assurer. Vu la loi du 27 décembre 2019, l'article 8, rendant tous les conseillers municipaux destinataires du rapport d'activité de leur EPCI par voie électronique. Alors ce document, il donne une vision complète hein, de toutes les actions qui peuvent être conduites par la collectivité, aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu'à travers les grands chantiers d'intérêt communautaire. Et ça permet aussi de voir finalement à quoi ça sert la communauté de communes. Donc, quel est le champ d'action de la communauté de communes? Parce que parfois, c'est assez important. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait du PEDT, finalement, on ne sait pas forcément à quoi ça sert. Mais pour les élus, parfois, c'est aussi important de savoir qui fait quoi. On ne peut pas demander quelque chose, par exemple, la gestion des déchets. Par exemple, ça, c'est la communauté de communes. Alors, la mairie peut, certes, s'occuper de poubelles qui ne sont pas ramassées ici ou là en allant voir les habitants. Mais sauf que la compétence en elle-même, c'est la communauté de communes. Donc ça mérite d'être lu parce que ça permet d'avoir une vision complète, finalement, de ce que fait Sud-Vendée Littoral. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Non? Vous l'avez lu? Je l'ai parcouru en travers, donc si, c'est intéressant. Et puis ça remet un petit peu à jour les compétences de la commune et puis les actions qu'elle mène. Mmh. Oui, non, mais très bien. C'est un gros morceau à lire, mais il y a beaucoup d'images aussi, donc ça va. D'accord. Donc on peut prendre acte de l'envoi du rapport d'activité de ceux du Vendée Littoral pour l'année 2021. Il n'y a pas d'opposition par rapport à ça. Pas d'abstention non plus. Je vous remercie. Ensuite, j'ai laissé la parole à Jean-Michel.
pour les modifications statutaires de Sud-Vendée Littoral. Je viens juste aller chercher de l'eau, parce que j'ai la gorge sèche, c'est pour ça que j'ai du mal à articuler. Alors la communauté de communes Sud-Vendée Littoral a initié un processus de modification de ses statuts lors de son dernier conseil communautaire le 21 juillet dernier. C'est pas le dernier, c'était celui d'avant. Il y a deux modifications qui sont prévues dans cette, dans cette proposition. La première modification correspond à une proposition de mise à jour de certaines dispositions rendues nécessaires suite à la création de la commune nouvelle de l'Aiguillon-La Presqu'Île. Il convient de mentionner, de supprimer en fait toutes les références liées à l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer et de les remplacer par la commune de l'Aiguillon-La Presqu'Île. Ça, c'est la première modification. La seconde modification concerne la compétence enfance-jeunesse dans sa dimension petite enfance. Donc la modification doit permettre d'atteindre un double objectif, mettre en adéquation sa formulation avec les nouveaux termes utilisés suite à la réforme de la politique nationale en la matière et d'une façon plus globale de mettre en cohérence les compétences transférées avec les équipements et les services gérés par la communauté de communes sur l'ensemble du territoire intercommunal. Ainsi, la nouvelle compétence enfant-jeunesse, elle est déterminée de la manière suivante. Donc il s'agit de la définition, mise en place et déploiement d'une politique à destination de la petite enfance, de l'enfance-jeunesse, dans le respect d'une cohérence territoriale et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, la communauté de communes peut créer, aménager, gérer des équipements et structures qui s'y rattachent. Elle assure l'aménagement et la gestion des équipements et structures suivantes. Pour la petite enfance, donc la maison de l'enfance à Petit Pas située à Luçon, la maison de l'enfance et Petit Loulou située à Saint-Hermine et la structure relais petite enfance déployée sur l'intégralité du territoire intercommunal. C'est la notion qui est rajoutée. Donc en fait, il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications administratives des statuts de la communauté de communes tendant à substituer le nom l'Aiguillon-La Presqu'Île à celle de l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer. Et deuxièmement, d'approuver la modification de la compétence petite enfance et d'autoriser le transfert de la compétence relais petite enfance. Je pense pas que ça pose trop de problèmes, mais est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc on passe au point suivant. Donc dénomination d'une nouvelle rue de la commune, donc rue Joël Germain. Donc je rappelle, hein, l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales. La dénomination des voies relève de la compétence du conseil municipal. La dénomination attribuée à une voie ou à un édifice public doit être conforme à l'intérêt public local, respecter la neutralité du service public et ne pas provoquer de troubles à l'ordre public ou heurter la sensibilité des personnes. Ça, c'est l'article. Donc, comme vous le savez, il y a des aménagements dans le secteur de l'Anglais, il y a eu des travaux de réaménagement de la rue Flandre-Dunkerque, et du coup, il y a une nouvelle rue qui a été créé donc en haut de la salle polyvalente et qui passe donc au niveau entre le centre de loisirs et la salle de sport. À cet endroit, il y aura la nouvelle école. Donc cette rue, elle est importante parce que c'est aussi la rue de la future école. Donc ça, c'est une rue qui traverse à la fois un espace festif, la salle polyvalente. Espace sportif, donc où toutes les associations vont, et la future école. Et donc j'ai dû aller voir Mariette Germain pour savoir si elle était d'accord pour qu'on nomme cette rue rue Joël Germain, parce que là ça a du sens, dans le sens où Joël a été donc enseignant longtemps à l'école publique de Saint-Hermine, il en a même été le directeur à un moment. Il s'est fortement engagé dans la vie associative herminoise, il s'est fortement engagé dans la vie sportive aussi de Saint-Hermine. Donc là, vous le savez, j'ai horreur des noms de rue qui n'ont pas de signification, et là ça a du sens en fait, de nommer cette rue
rue Joël Germain. Donc j'ai pu en parler à Catherine aussi, j'ai pu en parler à Henri, parce que je voulais quand même qu'on soit bien d'accord avant que ça passe en conseil municipal. Et je trouve que ça aurait une belle signification de nommer cette rue Joël Germain, dans le sens où la future école, ben, ça sera son adresse. Et ça sera la rue Joël Germain. Et c'est pas anodin, en fait. C'est quelque chose qui est important. Voilà. Donc c'est cela qui est mis aux voix ce soir. Donc je vous laisse intervenir si vous le souhaitez sur le sujet. Moi, je trouve que c'est une très riche idée, puisque c'est un herminois qui porte le nom de cette rue, et en plus, Joël. Donc, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Tout à fait. J'ai même oublié, il a été longtemps élu à Saint-Hermine. Il a été premier adjoint de la commune. Henri ? Oui, donc, cette idée que tu proposes ce soir au conseil municipal est dans le projet de ce groupe scolaire public maternel et primaire avec cette rue qui portera le nom de Joël Germain, effectivement, ça a du sens. Et ça honore aussi l'homme et l'enseignant qu'il a été, et beaucoup, beaucoup de jeunes herminois qui sont devenus des adultes aujourd'hui, des grands-parents aussi, même maintenant, il les a formés. Et donc, pour ça, c'est un bel hommage qui lui est rendu. Et puis, pour avoir été parent d'élève avec lui dans les années 90, et j'espère qu'il y a beaucoup de parents d'élèves qui regardent aujourd'hui en direct le conseil municipal, ça va aussi les émouvoir de savoir qu'une rue portera le nom de Joël Germain. Moi, je l'ai, en tant qu'élu aussi, on a un chemin, un parcours également, et je vois aussi que d'autres sont dans la salle avec ce soir. Joël, c'est un homme d'honneur. Je tiens à le souligner. Je l'ai vérifié, et ça a été aussi le sens de l'honneur, c'est quelque chose, une valeur rare. Et lui, il l'a porté. Et comme tu l'as dit, il a été adjoint. Mais quand la parole n'était pas respectée, eh bien, il savait aussi démissionner de son mandat d'adjoint. Donc ça, c'est une page d'histoire aussi. C'est l'homme aussi de caractère. Et donc, c'est très bien qu'aujourd'hui et pour le futur, ce nom, cette rue, Joël Germain, eh bien, soit là pour les temps qui courent et qui nous dépasseront aussi. Voilà. Mes félicitations. Voilà. Moi, personnellement, je suis très ému de cette idée, de ce projet. Moi, je trouve l'idée vraiment très, très bonne, en fait. C'est un super hommage à Joël. C'est vraiment hyper symbolique, cette rue, parce que c'est l'école, ça sera l'école. Et lui, il a été mon instituteur, mais l'instituteur de plusieurs générations, en fait. Et du coup, déjà qu'il a marqué de son vivant, du coup, là, c'est vraiment... ça restera dans les mémoires. Et en plus, ce que j'avais dit à sa femme, c'était que c'était comme un homme immortel, en fait, pour nous. Nous, on l'a vu petit, on l'a vu vieillir, on a grandi avec lui. Et le jour de son décès, c'était inconcevable, en fait. Donc là, de... qu'il laisse cette trace-là sur une adresse. C'est un super hommage. Merci pour lui, en tout cas, pour sa famille aussi. Alors moi, je voulais rendre aussi un hommage à Joël, parce qu'il a été l'instituteur de mes enfants aussi. Mais je garde un souvenir de Joël comme un homme souriant, rassembleur, parce qu'on avait beau ne pas toujours être d'accord avec lui, il n'était jamais dans l'agressivité. C'était quelqu'un qui savait discuter, mais très calmement. Et on pouvait avoir des idées différentes de la sienne, il respectait les autres idées. Et il a été vraiment un rassembleur, il passait aussi bien au niveau des jeunes que des personnes plus âgées de la commune. Et c'était vraiment quelqu'un qui passait très bien près de toute la population. Et franchement, on gardera le sourire de Joël longtemps dans notre cœur et dans notre tête. Voilà. Et un grand merci à Joël pour tout ce qu'il a fait sur Saint-Hermine. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?
Comme vous le savez, ce qui m'importe, c'est le sens. Et là, ça en a. Donc je suis très heureux pour la commune de Saint-Hermine, qu'il y ait l'unanimité pour cette délibération et pour que cette rue s'appelle Joël Germain. Donc je mets aux voix, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Adhésion à l'association du passeport du civisme. Virginie. Et juste pour compléter, pendant tout un moment, on se posait la question de créer un document citoyen à destination des écoles propres à Saint-Hermine. Sauf qu'il y a déjà le passeport du civisme, c'est déjà structuré en fait, si vous voulez. Mais par contre, il y a tout un travail pour le mettre en adéquation avec ce qu'est en fait Saint-Hermine, avec son histoire, avec ses particularités. Et pour en avoir discuté avec Louis, il s'avérait que finalement on a regardé un peu ce qui se passait ailleurs et on s'est rendu compte qu'on pouvait l'adapter si vous voulez à la commune de Saint-Hermine, parce que on peut toujours si je vous dis ça, c'est que je me suis posé des questions au départ. J'ai Virginie qui sourit, mais c'est vrai, parce que civisme, ça peut être interprété de différentes manières finalement. On pourrait l'appeler passeport citoyen, on pourrait l'appeler mais finalement, je pense que c'est pas ça qui est le plus important, c'est les actions qu'on va mettre derrière à destination des jeunes en fait. Et il y a pas mal d'écoles aussi qui travaillent en lien avec les municipalités autour de ce passeport du civisme. Et par souci de simplicité, c'est plus simple d'adhérer à l'association et travailler ensuite dessus. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Juste une question, c'est un ticket d'entrée ou c'est une adhésion à payer tous les ans? C'est tous les ans, oui. Ah, ok. Bon, ça reste... Oui, non, mais... Ça reste raisonnable. Moi, j'ai une petite remarque, en fait. J'ai une petite remarque par rapport au public à qui ça s'adresse. Ça s'adresse aux jeunes, aux enfants, j'imagine. Donc... c'est un peu stigmatisant pour les jeunes, parce qu'on pourrait élargir et puis se dire qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont besoin d'avoir peut-être des conseils en civisme. Il y a aussi beaucoup d'adultes. Et voilà, c'est dommage qu'on stigmatise un peu toujours la jeunesse. Parce que j'ai plein d'autres exemples. Je ne vais pas en parler là, mais il y a pas mal d'adultes, d'anciens aussi, pas que la jeunesse. Ce qu'il y a, c'est que l'avantage avec... je suis d'accord sur le fond, complètement. Parfois, même les jeunes sont plus de civisme que certains adultes. Mais bon, bref, parenthèse faite.
L'avantage avec les jeunes, c'est que c'est plus facile pour travailler sur des actions qui ont du sens, en fait. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire sur, bah, sur les questions, par exemple, de développement durable. Enfin, tu peux peut-être en parler en marque des briques. Tu les avais ? Donc, vas-y, signe. Vous venez de voir pour la première fois les personnes qui sont derrière la caméra pour faire fonctionner les micros. Voilà. Et puis du coup, c'est aussi, je l'ai dit, parce que je suis à la région, vous savez, je suis délégué à la jeunesse. Et ça fait là, la fin de l'année, un an là, que je circule sur le territoire pour écouter les jeunes. Et en fait, ce qui... Alors je le savais, mais c'est encore plus marqué que je pouvais l'imaginer. C'est-à-dire qu'on on crée pas forcément les conditions pour écouter les jeunes. Et les écouter, hein, j'ai bien dit. Hein. C'est pas nous qui imposons, mais les écouter. Et du coup, je pense que ça peut être des portes d'entrée pour justement les écouter. Et c'est eux qui vont le construire, en fait, ce passeport. Et qui vont finalement le faire évoluer. Je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée. En fait, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. C'est juste, c'est un peu passeport du civisme. C'est comme si on avait à leur apprendre ce que c'était que d'être civilisé, on va dire, ou avoir des actions civiques. Et je suis d'accord avec toi, on leur donne rarement la parole. Moi, je l'ai fait dans mon métier, en fait, sur des missions. Et ils le disent eux-mêmes, on ne leur donne jamais la parole. Alors, si c'est fait pour ça, qu'on les mette en valeur, qu'on valorise leurs actions... C'est très bien. Il faut associer les adultes aussi, je pense. Et avec le club qui s'est monté sur Saint-Hermine sur l'environnement, je pense qu'il y a des choses à faire ensemble, en fait. Donc, c'est dommage qu'on l'adresse qu'à la jeunesse, qu'on indexe la jeunesse par rapport à ça, parce que, très franchement, tout le monde a à apprendre de ça, en fait. Après, on fait comme on fait ce qu'on peut aussi. Non, mais c'est pas une critique. Non, mais je sais, sais bien. Au contraire, je trouve que l'idée, elle est super. Hein. De toute façon, je pense que c'est une généralité. Ça marchera d'autant mieux qu'il y a Louis aussi. C'est-à-dire qu'on crée aussi les conditions. Parce que ça, on peut vouloir, en fait, écouter les jeunes. Mais il faut créer les conditions. Et donc on essaye de créer les conditions, en tout cas, pour les entendre, les écouter et qu'ils construisent, en fait, tout cela. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres marques ? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Jean-Michel pour la modification de la délibération instaurant le régime indemnitaire, intégration nouvelle filière. Alors, vous avez un document dans vos pochettes. C'est une délibération qui est assez longue. Je ne vais pas faire la lecture de toute la délibération. Vous avez en rouge, en fait, les modifications... C'est comme vous voulez, hein, si vous voulez qu'on fasse les... Non, on passe pas tout. Tout le monde sait lire. S'il y a des questions, on les pose. Alors, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions et de l'expertise et de l'engagement professionnel, le RIFSEP. C'est le régime indemnitaire qui s'applique depuis 2014 dans les collectivités locales pour la fonction publique territoriale. Ce RIFSEP est composé de deux parties, ce qu'on appelle l'IFSE, l'indemnité forfaitaire, qui est une indemnité qui est versée au mois et qui est fixe, qui est une part intégrante du salaire, et la partie CIA, qui est une
partie, en fait, qui est versée parfois, pas toujours, en deux fois par an, c'est-à-dire en juin ou en décembre. Donc le régime indemnitaire des personnels de la commune de Saint-Hermine résulte d'une délibération du conseil municipal qui est intervenue le 12 juillet 2021, ici, donc c'était il y a un peu plus d'un an, en raison de la parution de divers arrêtés ministériels d'application du RIFSEP, il convient de mettre à jour certains cadres d'emploi et d'intégrer certaines filières. Alors en rouge, vous avez les modifications qui ont été apportées à cette délibération-là. Donc sur la filière technique, catégorie A, ingénieurs territoriaux, donc les groupes 1, responsables de service, l'IFSE, le plafond est de 2125 euros et le CIA 4500 euros. Donc on parle bien de plafond. Hein. C'est, après, c'est le maire, par arrêté, qui fixe le montant de l'indemnité. Sur les catégories B, donc techniciens territoriaux, groupe 1, responsable de service, l'IFSE et le plafond est à 1638 et CIA 2680. Sur le groupe 2, techniciens supérieurs de développement durable, pour l'IFSE, le plafond est de 1548 euros et le CIA 2535 euros. Sur la filière animation, catégorie B, donc les animateurs territoriaux, groupe 1, responsable de service, donc l'IFSE est de 1457 euros et CIA 2380 euros. Vous avez également sur la filière culturelle, en catégorie B, donc les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Donc les groupes 1, le groupe 1 comprend le responsable de service avec un plafond sur l'IFSE de 1393 euros, un CIA 2280 euros plafonné, et en groupe 2, assistant de conservation des bibliothèques, donc l'IFSE à 1247 euros et le CIA à 2040 euros. Voilà, ce sont les principales modifications qu'il vous est proposé d'intégrer dans la délibération du régime indemnitaire de la commune. Y a-t-il des questions ? La première délib qu'on a pris, et je renvoie à la question aussi de l'avis du comité technique. Ici, le comité technique n'a pas d'avis à donner particulièrement. Alors, il y avait un avis du comité technique qui était donné lors de l'instauration de la première délibération du RIFSEP en 2016. 16, oui. Ouais, quand c'était intégré, quand c'était intégré en fait suite à la suppression d'un certain nombre d'indemnités comme IFTS ou des indemnités comme ça, le RIFSEP a supprimé en fait toute une série de petites indemnités. Et donc en fait on avait le comité technique qui était sollicité à ce moment-là. Voilà. Donc en fait, après coup, comme on reprend en fait les montants de l'arrêté, des arrêtés ministériels, en fait, on n'a pas resollicité le comité D'accord. technique. Parfait. Y a-t-il d'autres questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Cession d'un terrain dans le lotissement Les Coteaux du Magny 2. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour vendre le lot numéro 1 d'une surface de 486 mètres carrés à Madame Amélie Chiron ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Ensuite, je vais laisser la parole à JAM, cession de chemins ruraux consécutive à enquête publique. Alors, Monsieur le maire appelle au conseil municipal que par délibération du 3 mai 2022, il avait été décidé de solliciter une enquête publique pour la désaffection de trois chemins ruraux dont l'intérêt public n'avait pas lieu en vue de leur aliénation. Par délibération du 5 juillet dernier, le conseil municipal a validé les conclusions favorables du commissaire enquêteur autorisant la cession. Conformément à la législation, le service du domaine a été sollicité pour évaluer le prix de vente. Par avis du 3 octobre dernier, la valeur vénale a été estimée à 0,32 € hors taxe le mètre carré. Les chemins concernés sont les suivants. Alors le chemin rural Gade-Bretel et Champs Rouges. Je ne sais pas si... Peu importe où il se situe, mais ce n'est pas évident.
On l'a déjà vu là. On l'a déjà vu, on l'avait déjà passé. Donc comme tous les conseillers ont une très bonne mémoire, ils s'en souviennent tous. Donc ce chemin rural fait partie du domaine privé de la commune et cadastré X1 numéro 11 d'une superficie totale de 3 440 m² et long de 400 mètres. Il est proposé de le céder à M. Biré-Thierry au prix de 0,32 € le mètre carré. Ensuite, il y a le chemin rural dit le champ des noyers au fief de Pellois. Ce chemin rural fait partie du domaine privé de la commune et cadastré XH numéro 40 d'une superficie totale de 3 996 m² et XH numéro 18 d'une superficie de 3 996 m² et long de 790 mètres. Il est proposé de le céder à M. Nicolas Micot au prix de 0,32 € le mètre carré. Et enfin, le chemin rural, le champ breton. Ce chemin rural fait partie du domaine privé de la commune et cadastré YT numéro 18 d'une superficie totale de 2 741 m². Il est proposé de le céder à M. Guillaume Moreau au prix de 0,32 € le mètre carré. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations accordées au maire. Jean-Michel. Alors, décision prise le 7 septembre 2022 concernant la maîtrise d'œuvre pour l'extension de réseau d'eau usée route de Nantes. Un contrat de maîtrise d'œuvre a été attribué à l'entreprise Cemeo à Beaufou pour un montant de 6 648 € TTC. Décision du 7 septembre 2022 concernant une déclaration de sous-traitance modificative du lot 6 sur les travaux de réaménagement et de mise aux normes de la piscine municipale, donc à l'entreprise menuiserie Rabillet. Donc le montant de cette sous-traitance est de 3 824 € hors taxe, donc dans le cadre du lot numéro 6. Arrêté du 22 septembre 2022 concernant une maîtrise d'œuvre pour la création d'une salle de danse, gym, yoga et d'un espace sportif extérieur. Alors, Balino est l'attributaire du marché. L'entreprise Rabillet est le sous-traitant qui intervient dans le cadre du lot de Balino. Voilà. Tout s'éclaircit. Ouf. Alors, décision du 22 septembre 2022 concernant la maîtrise d'œuvre, création d'une salle de danse, gym et yoga et d'un espace extérieur, sportif extérieur. Donc, c'est la proposition suite à marché public. La proposition de la société DGA Architectes et Associés aux Herbiers qui a été retenue pour un taux d'honoraire de 8,25%. Soit un montant de 46 336,13 € hors taxe. Arrêté du 23 septembre 2022 concernant l'acceptation d'un sous-traitant sur les travaux d'aménagement de la rue Flandre-Dunkerque. Donc une sous-traitance a été accordée à l'entreprise Cagev Scop SA, donc à La Roche-sur-Yon, pour un montant total de 10 850,70 € hors taxe. Donc là, c'est la... C'est dans le cadre du lot de FH. Acceptation d'un sous-traitant pour les travaux d'aménagement rue Flandre-Dunkerque. Donc là, c'est la société Atlan Route au Poiré-sur-Vie. Donc ça concerne la fourniture, le transport et la mise en œuvre des enrobés beige et noir pour un montant de 32 816,44 € hors taxe. Arrêté du 30 septembre 2022 concernant l'entretien sur les espaces paysagers par éco-pâturage, la société La Nature dans le Pré à la Caillère-Saint-Hilaire, donc pour un montant de 3 000 € payable tous les mois. 250 € par mois, pardon. 3 000 € par an, pardon. On est rassuré, Jean-Michel. On est rassuré. Tout à l'heure, ça s'éclaircissait. Maintenant, on est rassuré. On va essayer de bien finir. Décision du 30 septembre 2022 concernant la distribution et la prise en charge du courrier de la mairie.
Donc c'est la société Poste qui a été retenue pour une somme de 876 euros TTC par an. Et là, c'est bien par an. C'est par an, tout à fait. Je vais passer au DIA. Donc, la parcelle, section, enfin les parcelles, section AO, numéro 250, 370, 391 et 393, 12 chemin de Chigné au Simon. Ensuite, la parcelle, section XS, numéro 179, 270, route de Nantes. Ensuite, la parcelle, section AC, numéro 450, 2 grandes rues du Mouton. La parcelle, section YX, numéro 64, 12 rue des Pinsons, c'est le lotissement de Val-de-Smagne. Parcelle section AC, numéro 794 et 803, 14 rue de l'Anglais. Parcelle section AO, numéro 410, donc les Vallées, donc ça c'est Simon. Section XR, numéro 370, 12 rue des Cerises, donc là à chaque fois on sait où c'est le lotissement Le Champ du Guigné. Section XR numéro 352, 7 rue des Cerises, donc lotissement du Champ du Guigné, donc au Simon. Et les parcelles section AO numéro 84 et 85, chemin du Pontreau au Simon. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Est-ce qu'il y a des questions diverses ou des remarques? Sandrine. Alors, je voulais apporter une réponse à la question que Patricia et Henri vous avaient faite dans le dernier petit terminois concernant l'aménagement de la place Bugeaud, la place des Halles. On avait donc effectivement soumis l'idée de mettre une table et dans un premier temps de planter un ou deux arbres sur la place. Alors, c'est toujours d'actualité. Mais pour faire ça, il faut faire une DICT et cette demande a pris un petit peu de retard, mais dès qu'on aura une réponse, on reviendra vers vous sur le sujet, mais c'est toujours dans les tuyaux. Voilà. Je ne sais pas si Maïté, tu veux compléter ou rajouter quelque chose, mais voilà. En fait, si ce n'est pas fait, c'était une idée de Patricia lors de notre comité technique d'y mettre, d'arborer un peu cette place. Et si ça n'a pas été fait, c'est parce que tout simplement, Jean-Michel était plus que surbooké. Maintenant, avec l'arrivée de Madame Mazoué, on va travailler avec elle. Parce que cette déclaration d'intention de commencement de travaux, en fait, il faut la faire auprès des responsables des réseaux. Et on ne sait pas ce qui passe comme réseau dessous et sous cette place. Et il ne faut pas abîmer les réseaux qui sont sous terre, en fait. Voilà. Merci pour la réponse, du coup. Non, parce qu'on en avait parlé, c'est vrai, et que les gens, se posent aussi la question, à savoir si c'est toujours dans les tuyaux ou pas. Et cette place, elle est vraiment super belle et elle est hyper agréable, si ce n'est qu'il manque un peu d'ombre. on en est tous conscients, donc merci pour la réponse. Puis on est impatients. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Henri. Oui, c'est une question, la route de Nantes a été donc aménagée jusqu'à la sortie en face du podologue. Et avant, il y avait donc un tourne à gauche tracé avec des bandes blanches. Et les véhicules qui viennent donc de Chantonnay, quand ils doivent prendre la route de le chemin de la rue de Dougnette, se situer dans ce nouvel espace n'est plus très clair à interpréter, parce que forcément on passe d'une voie large à une voie plus étroite, et voilà, il peut y avoir des fois une petite confusion pour se positionner tout en sécurité, tu vois. Donc c'est plutôt à Eric que je pose la question. Tu vois où ça se situe, hein? Voilà, donc j'ai pas de réponse pour l'instant, je sais que Oui, on regardera sur place un petit peu, puis observer. Mais il y a très peu de voitures qui le font. Mais en fin de compte, oui, voilà, il y en a qui peuvent le faire. Plutôt que de prendre directement le chemin du Puy de l'Ormeau, tu vois, à ce carrefour, ils prolongent leur parcours pour être dans une autre position.
Ne serait-ce que d'aller dans la rue d'Ougnette au départ, parce qu'on ne peut plus y aller de l'autre côté, donc on ne peut que la remonter en voiture. Tout à fait, pour certains habitants, ils sont obligés de faire ça, pour respecter le sens interdit en fait. Je passe avec Mario et je passe te voir, on regarde ça. Ouais, ouais. Donc voilà, merci. D'ailleurs, pour compléter, la rue d'Ougnette n'est pas indiquée, il n'y a pas de panneau rue d'Ougnette. Non. J'ai vérifié tout à l'heure. Eric, on avait peur que tu t'ennuies. C'est loupé. Moi, je voulais revenir sur... on parle de sécurité. Et en fait, donc cette rue de Nantes, il y a la piste cyclable qui est, et piétonne, hein, qui sont sur le même endroit. Et en fait, il y a plein de vélos qui passent sur la piste réservée aux piétons. Et les gens qui sortent de chez eux, du coup, sont des fois hyper surpris de croiser un vélo. Et des fois, c'est dangereux en fait, et pour les ceux qui sortent de chez eux et pour les vélos, parce qu'un jour il va y avoir un tampon, voilà. Et en fait, je regardais, il y a des petits vélos verts qui sont situés sur la piste cyclable, et peut-être, je sais pas comment on peut prévenir les gens, les informer, mais il y en a peut-être pas assez, je sais pas, mais c'est récurrent en fait que les vélos circulent sur le passage piéton, sur l'axe des piétons. Alors je vais vous parler sur une généralité dans tout ce qui se fait là au niveau sécurité. On a la possibilité de mettre une réglementation en place. Par contre, je n'ai pas la possibilité de la faire appliquer. Alors on peut toujours faire les choses un petit peu mieux. Si les gens ne respectent pas, c'est compliqué. Sur certains endroits, sur la voie publique... Il y a des gens qui sont désignés pour la faire respecter, ça s'appelle la gendarmerie. Je n'irai pas les voir pour leur dire leur travail, c'est des grandes personnes, mais c'est surtout par eux que ça passe. Et c'est là aussi de l'incivilité quelque part, et ça c'est, je le regrette. Hein. Alors je ne pense pas que ce soit de l'incivilité, en fait, il ne s'est pas tellement identifié au sol, enfin quand on circule, Moi, je circule avec des enfants, des fois, et je leur dis souvent, restez sur le côté, en fait. C'est l'axe des vélos, ici. Mais comme il n'y a pas de barrière au milieu, c'est pas physiquement, c'est pas forcément... c'est facile de passer de l'un à l'autre, en fait. C'est juste ça. Il n'y a pas de malveillance là-dedans, je crois pas. Hein. Oui, je prends la remarque. Comment faire S'ils mettent d'un côté le vélo, puis d'un côté le piéton, peut-être. C'est encore canaliser et ne pas mettre les gens devant leurs responsabilités. C'est ce qui est dommage. Moi, je préfère quand les gens prennent leurs responsabilités tout seuls. Surtout que des gens qui marchent à pied, vous verrez ça tout le temps, les gens ne marchent pas à pied les uns derrière les autres. Les gens ils marchent à pied les uns à côté des autres. Et... c'est le problème des pistes cyclables ou des bandes cyclables qui sont partagées avec les piétons. Mais on est à Saint-Hermine, on fait avec le contexte que l'on a, et les séparer, ça veut dire mettre quelque part des obstacles pour séparer, et l'obstacle devient aussi gênant. Il y a toujours le pour et le contre. Alors moi, je ne te parle pas des piétons qui prennent la place des vélos, c'est plutôt les vélos qui sont sur le côté piéton et qui peuvent... il peut y avoir un accident pour les gens qui sortent, même en voiture, en fait. Parce qu'un piéton, il ne va pas très vite à pied, donc on a le temps de le voir, mais un vélo qui déboule quand tu sors de chez toi, de ce côté-là, ça cartonne, en fait. Hein. Et même à pied, quand tu sors de chez toi ou tu ouvres un volet, tu bignes un vélo, hein, c'est clair et net. Hein. Donc c'est pas le fait que les gens soient on n'est pas dans l'incivilité, je pense qu'il n'y a pas de... ils le font pas exprès en fait, ils s'en rendent pas compte, ils n'ont pas conscience qu'ils se mettent eux-mêmes en danger. Donc il faut continuer les canaliser. Ce serait les canaliser peut-être. Non mais on peut peut-être faire une information dans les réseaux, sur les réseaux, on peut peut-être remettre des petits bonhommes au sol, je ne sais pas, il y a peut-être des solutions autres que d'appeler les flics et puis de juger que c'est incivil, c'est pas de l'incivilité, je pense pas, c'est de l'information, il faut faire passer l'information. C'est pas une remarque désobligeante de ma part. Je suis pas en train de te dire que c'est de l'incivilité, c'est que je peux mettre une réglementation en place, je ne peux pas la faire respecter.
J'ai pas cette autorité-là. Après, voilà, tout simplement, on a mis des... Alors, il n'y en a peut-être pas assez. On a mis des petits vélos d'un côté. On n'a pas mis le piéton, justement, de l'autre côté, parce qu'on sait que ça ne sera pas respecté. Les gens ne marchent pas les uns derrière les autres. Ils marchent les uns à côté des autres quand ils sont en groupe. Quand ils sont tout seuls, ce n'est plus le problème. Ils marchent, généralement, ils marchent à droite. Peut-être qu'il faudrait mettre un piéton à côté du vélo par terre, là, en peinture, pour mieux désigner. C'est possible. Je ne suis pas sûr que ce soit plus respecté. Hein. Mais c'est possible, pourquoi pas. Voilà. On continue une réglementation, on la poursuit, on l'améliore. Pourquoi pas essayer de l'améliorer comme ça. Je vais voir ça. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Martine. Moi, j'aurais aimé savoir où c'en était pour les référents de quartier. Si c'était mis en place ou pas. Mais pour les référents de quartier, non, on ne les a pas mis en place, parce que là, ça fait partie personnes... En fait, il n'y avait pas assez de personnes qui voulaient être référents de quartier. Donc ça fait partie. Tout à l'heure, je disais, il y a des choses qu'on essaie de mettre en place et ça ne fonctionne pas. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de référent quartier. Et c'est pour cette raison qu'on a lancé les pique-niques de quartier. D'accord. Pour le coup, là, ça a marché. Parce qu'il y en a eu un peu sur les différents quartiers de la commune. D'ailleurs, on en avait parlé, je crois, lorsqu'il y avait eu la commission là, de Virginie, par rapport à ça, là, par rapport au fait qu'il n'y avait pas les référents de quartier et que derrière, on allait mettre en place les pique-niques de quartier. Je ne sais plus qui fait partie de cette commission dans votre groupe. Mais non, ça marche. Ah. D'accord. Mais éventuellement, quand il y a des problèmes dans les quartiers, on doit le faire passer à la mairie. Alors, en général, tu sais, le maire, c'est le réceptacle. Oui. Donc, quand il y a un problème de quartier, tu as mon numéro. Et tu peux m'appeler sans aucun problème, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est ce que je ferai, parce qu'il avait été soulevé à une réunion qui avait un souci sur l'école, tu sais, la dalle. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est Patricia. Oui, oui. Voilà. Et ça montre que c'était dans le précédent mandat, ça. Hein. Non, ça a été cette année. Par contre, cette dalle... Je sais, voilà, je vois pas de quoi tu me parles. Si, tu sais, à c'est l'école, le toit. Jamin. Ouais, sur le toit... Sur le toit, il y avait une dalle. Hein. Ouais. D'accord, mais de toute façon, ça, par exemple, sur l'école, en l'occurrence, c'est pas le référent de quartier qui va le faire remonter, ça. Mais l'école, si. C'est là, faut que tu appelles la mairie, parce que parce que moi, je m'en étais rendu compte et j'en avais fait part à l'école et je leur avais demandé, je leur ai dit, comment fait-on? Ils m'ont dit, on appelle la mairie. Ben oui. Sauf que c'était avant les vacances de Pâques et rien n'avait été fait et c'était quand même assez dangereux. D'accord. Voilà. Bon, après, Patricia, tu as soulevé la chose. Ça a été géré le lendemain. Hein. Ça ne fera pas partie du rôle du référent de quartier. Hein. Ça, ce genre de problème... Oui, personne ne t'en était rendu compte, hein, parce que c'était vraiment sur le toit, quand même, à une certaine hauteur. Hein. D'accord. Mais je te remercie, du coup. Non, mais voilà. Et quand il y a des problèmes aussi de voisinage et tout, parce que là, ça commence. Ben là, c'est pareil, c'est le maire. C'est le maire. Okay. Tu sais, je suis appelé parfois... Je ne suis pas appelé à 11h30, minuit, parce qu'il y a parfois... Voilà, je veux dire, quand il y a vraiment des vrais problèmes, tu sais, les gens, ils arrivent à me contacter soit sur mon téléphone portable, quand ils l'ont, ou autrement sur Messenger. Oui, d'accord. Donc, je voulais savoir s'il n'y avait pas des gens qui étaient... Mais les référents de quartier, on en a parlé lors de la commission, mais ça remonte un peu de temps. Il y a longtemps, oui. Ouais, et on a transformé ça en pique-nique de quartier. D'accord. Parce que ça revient à ce que je disais tout au début de la réunion. Ça ne sert à rien de s'obstiner dans un truc qui ne fonctionne pas. Tout à fait. Là, on a mis en place les pique-niques de quartier. Et là, pour le coup, ça a très bien fonctionné. En plus, c'était post-Covid, donc c'était très, très bien. Voilà. Rien. Y a-t-il d'autres remarques? Faites-vous plaisir. Hein. Donc du coup, je vous invite à prendre un verre après le conseil municipal dans cette salle. Je vous remercie. Bonne soirée.